aujourd'hui le parti de Félix Houphouët-Boigny, le parti Matisson, le parti de la République moderne. Le président est né au Sénat des États et des Français. Nous vous demandons de l'ovationner.
du PDCIRDA, hymne qui sera entonné par Madame Yacine Thérèse. Merci à la fanfare. Merci à la fanfare, Madame Yacine Thérèse, pour entonner l'hymne du PDCIRDA que nous allons chanter ensemble. Oui, il faut l'appeler, il va venir prendre. Donald, le sac là. En 1946, au pays de son diable, tous les Africains ardents et fiers se sont donnés rendez-vous. Rassemblement, rassemblement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le sac appartient à quelqu'un. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, Henri, on a bêté le président du PDCIRDA et madame. Professeur Maurice Abou-Guitaoué, secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif du PDCIRDA, mesdames et messieurs les vice-présidents du parti, honorables membres des instances du parti, distingués invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. 9 avril 1946, 10 avril 2021, cela fait exactement 75 ans et un jour que 34 compagnons du président Félix Houphouët-Boigny ont porté sur le fonds baptismaux le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du Rassemblement démocratique africain RDA, dans les locaux de l'Étoile du Sud à Abidjan-Prêcheville. 75 années d'existence politique, c'est sans doute au moins 27 375 pages d'histoire dont certains faits marquants vous seront dévoilés ou revisités par les différentes personnalités du parti qui se succéderont tout à l'heure au pupitre. Honorables invités, mesdames et messieurs,
Nous allons inviter à présent le doyen du village de Kokodi, Nana Abi Lucien, à procéder à la libation avant de poursuivre avec le programme. Merci d'ovationner Nana Abi Lucien. À la suite de Nana Abi Lucien, nous allons demander au président du comité d'organisation de prendre la parole. Merci. Pardon.
président Aimé Henri Bonabédier, président du PDCI-RDA et madame, monsieur le secrétaire exécutif, Roger Maurice Kapoudikawe, madame, monsieur les vice-présidents du PDCI-RDA, mesdames, messieurs les secrétaires exécutifs, honorables membres du comité des sages, mesdames, messieurs les inspecteurs, mesdames, messieurs, distingués membres des différentes instances du parti, chers invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un insigne honneur et une grande joie de prendre la parole au nom du comité d'organisation de la cérémonie de lancement des activités commémoratives du 75e anniversaire de notre grand parti, le PDCI-RDA, dont le thème est le PDCI cap sur le centenaire. Je voudrais souhaiter la bienvenue à vous-même, excellent monsieur le président, à votre illustre épouse, notre maman, la dame au cœur d'or, à vos invités ainsi qu'à tous les participants à cette cérémonie. Excellent monsieur le président, hier vendredi 9 avril 2021, le PDCI-RDA a eu 75 ans. Sous votre gouvernance éclairée, votre leadership et votre prévoyance, le PDCI est debout, bien vivant et prêt à relever les défis présents et futurs. Gloire immortelle aux pionniers et pères fondateurs à leur tête, le président Félix Houphouët-Boigny, et grand hommage à vous, excellent monsieur le président. Monsieur le président, après les prières organisées hier à votre demande dans les mosquées par la communauté musulmane et le COSIM, le Conseil supérieur des imams, nous voici réunis ce samedi 10 avril autour de vous pour le lancement officiel des activités commémoratives du 75e anniversaire de notre parti. Le comité d'organisation de cet événement que j'ai l'honneur de présider et qui a travaillé sous votre haute supervision et sous la coordination du professeur Maurice Kapoudikawe, chef du secrétariat exécutif, et sous le regard très lointain, mais sûrement admiratif, du titulaire du poste dont j'assure l'intérim, le maire Noël Akosibeyo, le comité d'organisation, dis-je, voudrait dire à chacun et à tous, bienvenue et merci d'avoir effectué le déplacement. Pour terminer, je voudrais vous exprimer, excellent monsieur le président, toute la gratitude du comité d'organisation pour votre disponibilité et votre soutien et votre constante sollicitude. Je voudrais dire merci au coordinateur, au Saint Maurice Kapoudikawe, pour son encadrement. Je n'oublie pas les membres du comité d'organisation qui ont travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons des résultats actuels. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, ne sollicite d'avance votre indulgence pour les éventuels manquements que vous constaterez. Je vous remercie. Nous continuons d'ovationner ce camarade Ibrahim, président du comité d'organisation. À présent, nous allons écouter monsieur le secrétaire exécutif du parti, professeur Maurice Kapoudikawe, qui va s'adresser au président du parti, aux invités et à l'ensemble des militants du PDCI-RDA. Nous accueillons le professeur Maurice Kapoudikawe sur vos attentions, s'il vous plaît. Ovation nourrie. Le président, au secrétaire exécutif du parti, le capitaine Courage, le général Courage. Merci, chers militants. Madame, je vais me fâcher. Oh, je n'ai pas de jours. C'est ça qui travaille. Aïe, avec portable là. Et puis quoi? Mesdames et messieurs, la première du travail ici.
C'est la première fois que tu travailles ici. Pardon. Pour te dire, tu n'as jamais venu ici. Tu as fait du travail. Pardon. C'est quoi ça? Pourquoi tu es égoïste comme ça même? Mesdames et messieurs, le président des secrétaires généraux est parti. Tu viens tout ici, on t'a embauché de travail. Mesdames et messieurs, les secrétaires généraux de section, militants et militants, mesdames et messieurs, chers invités. Excellences, monsieur le président, madame la présidente, militants et militants, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion du lancement des commémorations du 115e anniversaire du PDC-RDA pour vous souhaiter la bienvenue et saluer par la même occasion en votre nom la présence remarquée des partis politiques frères. Mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques et des plateformes de l'opposition, merci pour votre présence réconfortante à cette cérémonie. Et monsieur le président, je voudrais vous transmettre le message de votre frère, le président Laurent Gbagbo, qui nous a demandé ce matin de vous informer qu'il est représenté à cette cérémonie par le vice-président Sébastien Dano-Guéna. Né le samedi 9 avril 1946, le PDC-RDA a eu 75 ans hier vendredi. C'est donc pour célébrer les noces d'albâtre de cette grande formation politique que nous sommes réunis ce matin avec la présence distinguée combien rassurante de son Excellence Ali Konan Bédié, président du PDC-RDA. Avant tout autre propos, permettez-moi d'exprimer toute notre admiration à son Excellence Ali Konan Bédié, le premier d'entre nous, le digne héritier successeur du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le président, vous êtes l'inspirateur, le guide, l'homme de paix, de dialogue, le généreux, celui-là même qui, par une résilience à nul autre pareil, à protéger le PDC-RDA en s'opposant à sa liquidation et à son sabordage. Vous êtes, monsieur le président, le ciment fédérateur de notre parti, le rempart et protecteur de tous et du PDC-RDA. Aussi avons-nous décidé, au cours de ces célébrations, de vous rendre un hommage mérité tout au long des célébrations des 115 ans du PDC-RDA qui vont se dérouler dans les bases. Que notre joie est immense en cette circonstance, malgré le caractère sombre imprimé à notre commémoration, pour deux raisons principales. La première raison est liée à la pandémie du COVID-19, exigeant des mesures barrières draconiennes, et la seconde découle de la crise d'automne 2020, qui a fait dans nos rangs de nombreux morts, des centaines de blessés et plus de 200 militants et militantes encore dans les prisons. Nous ne saurions oublier Idriss Kouadio Pierre Nassis, membre du secrétariat exécutif et directeur de cabinet du président du PDC-RDA. À Michel Alexis, délégué départemental de Tiassalé 1, Ange Félix Ndakli, permanent de la délégation communale de Toumoti, Docteur Anagama, M. Guiné Hervé, responsable de la jeunesse du PDC-RDA et leurs camarades encore en détention. Le PDC-RDA compatissant reste entièrement mobilisé à leur côté. Je saisis cette occasion pour remercier toutes les vaillantes militantes et tous les vaillants militants de notre parti qui, ces dernières années, ont par leur détermination tenu haut le flambeau du PDCI-RDA. Monsieur le Président, suite à vos instructions, la commémoration des 115 ans du PDCI-RDA, dont le thème est le PDCI-RDA capsule centenaire, sera l'occasion d'un recueillement, de prières, d'une introspection et d'une réflexion profonde pour rendre notre parti plus fort et le conduit à la fois à la reconquête du pouvoir d'État et sur le chemin glorieux de son centenaire. C'est pourquoi cette commémoration se déroulant sur une période de 6 mois
et appliquera toutes les structures du PDC-RDA du sommet à la base. La présente cérémonie, qui a été précédée hier par les prières, comme vient de le dire le président du comité d'organisation, sera marquée par votre message d'orientation et la conférence inaugurale que va prononcer tout à l'heure le professeur Kobi Assa Théophile, membre du comité des sages du parti. À l'issue de la présente cérémonie inaugurale, des messes et des prières seront dites dans les églises et les temples de notre pays du dimanche 11 avril au dimanche 2 mai 2021. Ensuite, un comité scientifique préparera une feuille de route qui servira de guide aux travaux de réflexion de toutes les structures du parti, délégations départementales, communales et générales, les structures spécialisées des femmes et des jeunes et les élus. Ces travaux se dérouleront du 3 mai au 11 juillet 2021. Du 12 juillet au 8 août 2021 suivra la synthèse nationale des séminaires locaux effectués par un comité national qui produira le document de travail du colloque qui se tiendra du 15 au 18 octobre 2021. À cet effet, chaque structure du parti devra se mobiliser, travailler intensement pour produire un document qui, partant des réalités de son environnement, projette des actions concourant à la longévité et à la pérennité du PDCI-RDA à l'horizon 2046. Cette période de séminaire éclatée permettra une mobilisation totale des structures du parti appuyées de visites de terrain de la direction du parti. Mesdames et messieurs, après le séminaire d'avril 2015, le PDCI-RDA redynamisé, c'est aujourd'hui un bureau politique fort de plus de 2000 membres dont 60% ont moins de 60 ans. Un comité des sages de 500 membres, une inspection du parti et un conseil de discipline redynamisé. Et surtout une toile d'araignée composée de 353 délégations départementales, communales et générales restructurées, 5225 secrétaires généraux de section, 35 000 comités de base, 518 présidents des GPDCI et 746 coordonnateurs des GPDCI. Au-delà de cette organisation administrative, le PDCI-RDA a gagné en dynamisme et présent sur l'étendue du territoire national. Cependant, force est de reconnaître que les actions engagées ces derniers temps ont révélé quelques faiblesses quant à la disponibilité réelle de nos délégations dans les activités majeures du PDCI-RDA sur le terrain. Nous nous donnerons ensemble les moyens de remédier à ces faiblesses à tous les niveaux de nos structures et organes, car comme dit le sage, on n'échoue pas, on apprend. Que les réflexions des commémorations des 75 ans renforce la fraternité entre nous et suscite dans nos rangs beaucoup de militants et militantes de convictions courageuses et patientes. Joyeuse commémoration des noms d'abat du PDCI-RDA. Monsieur le Président, à ces occasions solennelles, des gestes particuliers sont posés. C'est ainsi que vous avez demandé à décorer quelques militants. À l'occasion de la cérémonie de ce jour, 4 militants seront décorés dans l'ordre du Bélier par le président du parti, son Excellence Henri Konamédie. Ce sont tous des militants émérites qui ont fait leur preuve depuis de longues années et qui ont été déjà proposés dans leurs délégations respectives. Ce sont M. Mourou Kona René de la délégation communale de Marcory. Il est né en 1925, 96 ans. Militant du PDCI-RDA, militant du PDCI-RDA depuis 1946. Il a été collaborateur du maire Passy le Noir. Il a participé à la création de la première section du PDCI-RDA à Cacheville. Monsieur Mourou fait partie des personnes qui ont été détachées de Cacheville pour aller créer la section PDCI-RDA de Marcory. Avec M. Kouedan Bruno,
Madame Nguessa Marguerite Sakoun et Anne-Marie Raji. Deuxième personne de couleur, Diabaté Yam, de la délégation communale de Trècheville, elle fut la criotte du président Félix Houphouët-Boigny. Elle est née en 1942, elle a aujourd'hui 79 ans. Troisième personne, M. Kwasi Yao Michel, de la délégation communale de Yopougon-Centre. Il est né en 1943, 78 ans. Secrétaire à l'organisation de la sous-section Cocotte de Boaké du temps de feu André Daoué. Militant de Yopougon depuis de longues dates, M. Kwasi Yao Michel a été membre de nombreuses délégations du PDC-FDA pour diverses missions du parti à travers le pays. Il est membre du comité des sages depuis le 12e congrès ordinaire du parti. Et enfin, Madame Kwame, épouse Sophie Akissi Marie Bernadette, de la délégation communale de Dimoko. Elle est née en 1943, 78 ans. Grande éducatrice, militante active du PDCIRDA dès 1980, membre du comité des sages, secrétaire général du PDCIRDA à Dimoko, président de l'UFPDCI à Dimoko, membre du bureau politique depuis 2005 et puis membre du comité des sages depuis le 12e congrès ordinaire du parti. Tous les récipiendaires seront élevés à la dignité de grand officier dans l'ordre du Bélier. Le mot de remerciement des récipiendaires sera dit par Madame Kwame, épouse Kofi Marie Bernadette. Je vous remercie. Nous encourageons Monsieur le secrétaire exécutif, professeur Boris Kavoukitaoué, qui vient de délivrer son message et qui se dirige vers le président du parti. Merci. La consonne, nous invitons à présent l'artiste Saint-Pierre de Provo. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Saint-Pierre de Provo. Yes, sir.